Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est mon boy. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Nano Asso Neo pour quelques petites astuces pour faire du scoring et gagner de l'argent sur le premier niveau de Nano Asso Neo. Donc on va se retrouver directement sur Epsilon. Donc là je suis parti en mode solo et je vais vous montrer comment faire un score et dépasser les 2 millions assez facilement sur ce jeu. Donc si vous faites pas le con, vous devrez faire comme moi. Bon, alors moi personnellement, sur le premier niveau, je démarre par récupérer les médailles qui font office d'argent. Alors voilà. Donc là je vais récupérer tout ce qui traîne sur le premier niveau avant de démarrer à buter les ennemis. Hop, on va faire tout tour. Voilà, donc là on a bientôt fini. Donc une fois récupéré toutes les médailles, j'essaye de tuer alors de base des petits persos comme ça, histoire de faire apparaître les sortes de plantes qui sortent de terre, qui balancent des boulettes. Et là j'essaie de m'éloigner le plus possible des ennemis, des petits ennemis, pour tuer de base, voilà, ceux-là. Alors pourquoi je tue ceux-là à la petite arme? Tout simplement car si vous les tuez avec des petites armes comme ici, vous allez récupérer des médailles d'argent qui valent 500. Oui, là je suis à 1500, voilà, je viens de passer à 2000. Et en fait on peut monter jusqu'à 5000 comme ça. Alors je sais pas si je vais aller jusqu'à 5000, il y a des fois il en manque une, ça m'arrive tantôt d'aller jusqu'à 4500 et pas 5000. Mais bon, les trois quarts du temps, si vous ne faites pas le con, vous arriverez à 5000 en argent, ce qui vous permettra d'acheter beaucoup plus de choses au magasin et de faire un meilleur score. Alors ça, j'expliquerai ceci juste derrière. Donc là comme vous voyez, rien de compliqué, c'est le premier niveau, il suffit juste de prendre son temps et de bien se positionner. Et surtout d'être précis. Alors ne tirez surtout pas tout le temps dans Nano Asso Neo, car le jeu possède un mode de précision. Alors, je sais pas si vous avez vu, à la fin votre score on vous dit précision autant de pourcents. Donc plus vous tirez, moins vous serez précis en fait. Si vous tirez toujours sur les ennemis c'est bon, mais si vous tirez tout le temps dans le vide ça sert à rien. Vous avez soit moins de chances de vous faire toucher, mais vous avez surtout beaucoup plus de chances de faire un petit score, car votre précision sera beaucoup plus faible et vous récupérez surtout beaucoup moins de points à cause de ceci. Donc prenez bien votre temps, ne tirez pas trop, au pire jouez par moi à faire des petites salves quand vous avez juste un petit ennemi ou deux devant. Voilà, donc là je suis arrivé à 4000, 4005, bon là normalement il reste un, voilà, donc je suis à 4005, il reste un derrière, vous avez vu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va jusqu'à 5000. Et par contre tuez juste les plantes qui sortent de terre avec la petite arme, parce qu'avec les grosses armes, quand vous tuez avec les grosses armes, ils ne nous donnent pas 500. Alors ça arrive qu'ils en donnent, mais pas à tous les coups, donc petit conseil, prenez la petite arme pour les buter, n'utilisez pas les armes avec le bouton ZR, hein, ça sert strictement à rien. Donc voilà. Alors c'est bien, je suis déjà bonus, c'est dommage, il manque le S. Donc là vous avez vu, je suis à 87%, j'ai 5000 en argent. Donc là je prends mon temps, j'essaie de trouver les derniers ennemis. Donc là pareil, comme vous pouvez voir, j'utilise des petites salves pour tuer les ennemis et non du tir en continu. Car comme je le disais tout à l'heure, le tir en continu ça ne sert strictement à rien sur Nano Asso Neo. Il faut absolument être précis. Donc voilà, terminer le stage à 100%, déjà vous gagnez un bonus de 100 000 points. C'est pas négligeable. Alors vous avez vu, 72% de précision, il me reste 2 vies, je suis pas mort. J'ai déjà 542 000 points. Et ici, vu que vous avez 5000, vous pouvez tout acheter. Donc moi personnellement je prends Nano Gauche 2.0, l'attracteur et le bouclier. Alors la Nano Noche, pourquoi? Tout simplement car ceci vous permet de multiplier au dessus de 5. Alors quand vous tuez les ennemis, vous avez vu juste en dessous de la barre de score, vous regarderez pendant ce deuxième niveau, quand je tire sur les ennemis vous verrez qu'il y a un multiplicateur qui apparaît. Et sans ce Nano Gauche vous pouvez monter jusqu'à x5. Et une fois celui-ci assez acheté, autant pour moi, vous pouvez monter jusqu'à x9. Donc le score est multiplié, peut être multiplié par 2 au minimum grâce à ceci. Donc n'hésitez pas à le prendre. Et moi je prends un tracteur pour justement récupérer les médailles. Car attracteur, récupérer les médailles et aussi doubleur de crédit, je sais pas si vous avez vu. Donc ça permet bien évidemment de doubler son crédit facilement, donc de pouvoir acheter plus de vie par la suite. Et se faire 10 000 points en plus dans le score. Et attracteur simplement car ceci va me servir plutôt dans le niveau bonus. Alors ici ça va servir, mais dans le bon bonus ça servira encore un peu plus. Donc dans ce deuxième niveau
de Epsilon. Tuer les vers, enfin les vers, je sais pas, les sortes de calamars, enfin je sais pas trop, c'est ces ennemis orange bah, qui se battent, qui vous balancent des boules de feu. Donc tirez leur dessus en premier, en priorité. Ne vous embêtez pas. Tuez ceux-ci en premier et après vous pouvez faire un score assez facilement. Donc là vous avez vu, multiplicateur x4, x5, x6, je suis monté jusqu'à x7. Et une fois tous ces ennemis orange tués, vous mettez dans une zone au milieu. Alors moi je suis déjà bonu, mais même en étant BO sur le côté, les lettres à récupérer, juste en ayant une lettre ou deux, vous pouvez avoir rapidement le stage bonus juste ici si vous faites ce que je vous dis. Donc en fait, là tous les ennemis orange sont tués, donc là vous mettez au milieu. Vous trouvez une petite zone, donc vous commencez à tuer un peu les ennemis. Et ceux-ci vont apparaître tout autour de vous. Et après, à vous de vous déplacer un peu à droite à gauche et de continuer de tirer comme un sauvage. Donc là vous pouvez tirer quasiment en continu vu qu'il y a des ennemis partout. Vous avez vu en haut, hein, x6, x7, x8. Je monte rapidement, j'ai déjà le bonus, j'ai récupéré une grosse arme à côté, donc je m'en sers parce que cette arme permet de tuer 3-4 ennemis facilement en appuyant dessus. Bon bah là je suis mort malheureusement. Mais bon, j'ai continué cette vidéo aussi pour montrer que même en mouvant, on peut faire un score correct. Donc voilà, ici, vous avez plus d'ennemis orange qui viennent nous embêter, vous pouvez fraguer comme vous voulez, et le multiplicateur en haut, vous voyez, x6, x7, x8, vous montez assez loin, ce qui permet de d'enrichir votre score assez rapidement. Donc voilà, et là pareil, je suis à 93%, donc je vais essayer de finir le niveau à 100% pour me faire les 100 000 points supplémentaires en nettoyant à 100% le niveau, tout simplement. Et voilà, le niveau est fini, je suis à 100%, donc 100 000 points en plus. Donc là, je suis arrivé au niveau bonus. Et l'attracteur que j'ai justement acheté au magasin tout à l'heure va me servir pour récupérer deux fois plus de médailles. Et vu que j'ai pris le multiplicateur de crédit, ça me permettra bien sûr de monter beaucoup plus rapidement. Donc je suis à 3650, c'est pas énorme. Et voilà, donc là, vous avez vu, j'ai pas à être dessus directement, ça vient se coller à moi, je suis bien. Alors par contre, je risque de pas aller très très loin, là-dessus j'ai mon plus gros score, c'est 58 secondes. Souvent je meurs entre 40 et 50 secondes, les 3 quarts du temps, donc là on verra bien. C'est pas mon truc favori, mais bon, ça permet de récupérer de l'argent. Vous voyez, j'étais à 3600, je suis à 4700, ouais, enfin bientôt 5000. Donc voilà, 41 secondes, bon c'est pas énorme, mais bon, ça me fait toujours 200 000 points en plus. Et je suis monté à 4950, donc je vais taper 1350 nano argent, on va dire, en plus. Donc j'en profite pour acheter 2-3 petites choses dans le magasin. Alors, ici je prends des médailles. Et ici, pareil, on peut se faire de l'argent facilement. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais 3 caractères, c'est pour ça. Donc là, les ennemis transparents, comme ici, vous les tuez souvent, ils vous donnent une médaille. Donc vous pouvez vous faire de l'argent. Et c'est pareil que tout à l'heure avec les plantes sorties de terre, il faut absolument les tuer avec les petites armes. Si on veut tuer avec les grosses, ça marche pas à tous les coups. Alors qu'avec les petites, ça marche quasiment, à 90%, on va dire. Hein. Parce qu'il y a des fois, ils donnent pas de médaille. Regardez, là, il m'en a pas donné, mais. Les 3 quarts du temps ça fonctionne. Peut-être pas à 80%, mais au moins à 80%. Donc ça c'est clair et net, vous pouvez perdre de l'argent facilement en tuant les ennemis transparents. Vous voyez, je suis déjà tapé 3 médailles, j'en ai tué 4 ou 5, 3 médailles, moi j'ai récupéré une lettre, c'est pas. C'est sur ça, regardez, hop, encore une médaille, encore de l'argent. Donc voilà, tuer absolument les ennemis en transparence, pareil avec la petite arme, c'est comme au premier niveau. Pour faire de l'argent facilement. Alors je suis pas. Je vous donne des astuces pour faire du scoring. Je suis pas dans les 10 premiers au classement mondial, mais ma technique fonctionne tout de même car je suis 66ème chez mon souvenir mondial au classement, donc je suis dans le top 100. Vous dépasserez facilement les 2 millions si vous faites ce que je fais dans la vidéo. Donc pareil, ne tirez pas en continu, rappel, hein, tirez toujours par salve pour gagner de la précision, pareil, toujours, c'est important. Là, comme je disais tout à l'heure, les ennemis transparents, n'hésitez pas à tuer ceux-ci en priorité. Alors, soit ils vous tirent dessus des salves pour vous toucher, mais ils sont assez faciles à éviter.
n'hésitez pas à les tuer pour faire de l'argent. Toujours pareil, regardez, j'ai démarré tout à l'heure à... Ah, je ne sais plus combien en fait, je devais être dans les 3000, je pense que j'étais arrivé à 5000, j'ai dû racheter 2-3 petits trucs dans le magasin. Donc je devais être dans les 3-4000, bon je me suis fait passer en 1000 ou 2000 points en argent facile. Donc là on va finir de nettoyer toute la zone. On est déjà à 74%, on va finir, allez. On va peut-être bouger un peu parce que là depuis je reste un peu dans cette zone, mais en même temps il y a des ennemis donc pourquoi s'embêter hein. Ah là il y a un transparent, je vais aller le voir, histoire de gagner un peu d'argent, toujours pareil. Ça serait bien si je pouvais monter ouais, jusqu'à 7000, ça serait pas mal. Histoire de pouvoir m'acheter 2 vies et un petit bouclier pour le boss final. Donc là vous voyez je suis à 1 495 000, donc je vais essayer de finir pour être à 1 5 000, 1 6 000 si possible. Alors 98%, est-ce que je vais avoir le temps d'aller jusque de l'autre côté, je sais pas, il me reste 14 secondes, c'est tendu. On verra bien, ouais, 8 ou... Ça va être tendu, mais bon c'est pas grave, on va essayer de le faire quand même. Ah bah voilà il est là, donc je vais utiliser l'arme, voilà. Allez, fini à 100%, il me restait 2 secondes, donc je me suis pas fait grand chose. J'ai de la vie, la précision, bah là 54%, j'ai déjà fait, donc je suis déjà à 1 8 000. Et ici pour le boss final, je vais vous apprendre un truc, donc achetez des vies supplémentaires de préférence. Achetez 40 Q si vous l'avez pas sur vous comme arme et prenez un bouclier. Et ici, quand vous arrivez à ce boss, ne tirez surtout pas avec votre arme principale. Je vous explique, vous foncez directement sur l'ennemi, voilà, regardez, vous avez le bouclier et vous tirez votre bouton ZR pour tirer l'arme secondaire. Et vous allez vers les boules rouges dans les pieds et voilà. Vous avez vu, j'ai juste utilisé mon arme secondaire. Et pas tirer une salve avec mon arme principale. Et vous allez voir que... On se fait un gros score directement, donc bonus de vie 4 fois 10 000 parce que j'ai 10 000, j'ai 4 vies donc 40 000. Je serais pas mort, j'en serais à 50 000 et je suis à 100% de précision. Et je me suis fait plus de 500 000 points de score, donc là je suis à plus de 2 millions 4 et 2 millions 4 pareil, c'est mon record. Donc en fait je viens de faire un nouveau record. Donc 2 427 400. Donc là je suis le premier chez mes amis. Et vous pouvez voir qu'au classement, alors je vais essayer d'aller au classement, meilleur classement, hop, je suis 66ème mondial. On va peut-être remonter un tout petit peu, histoire de montrer un peu ce qu'il y a au-dessus. Donc 66ème mondial, donc je suis à 2 4 millions, le premier est à 4 100 millions. Et vous pouvez voir que les trois premiers sont le premier à 4 millions, après c'est 3 millions, et après c'est 2 4 millions à 2 6, 2 7, 2 8. Ça va jusqu'à 2 9, 3 millions, et après, après ça va entre 3 et 4 millions, mais franchement ils sont une petite dizaine à faire entre 3 et 4 millions. Et tout le reste fait entre 2 millions et 2 millions 8 entre ma place et le top 20. Donc ma technique fonctionne, il faut surtout faire gaffe avec les bonus je pense dans les niveaux bonus et bien faire attention là-dessus. Donc voilà, j'espère que ma vidéo scoring et astuces sur Nano Asso Neo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut salut.